Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 11 avril. Donc, j'ai été faire un petit tour, pareil. Hein. Donc, je me suis lancé un petit défi. Essayer de trouver des morilles ou des verpes à moins de 10 km de chez moi. Parce qu'avec la nouvelle réglementation des 10 km, voilà, je me suis lancé ce petit défi pour essayer de trouver quelques verbes, enfin quelque chose autour de chez moi des 10 km. Et j'ai réussi, voilà, vous allez le voir dans la vidéo, j'ai réussi à trouver quelque chose. Donc je suis content parce qu'il pleut, voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle hein, pour les morilles. Ça va être super bien, ce matin j'ai pris la pluie, mais bon, peu importe, tout de suite il pleut encore. Donc peu importe, hein, c'est super bien pour que ça pousse un petit peu, hein, il faut de l'eau, hein, parce qu'on manquait énormément d'eau. Donc voilà, ils ont prévu de la pluie aujourd'hui, demain, et peut-être mardi, donc fin de semaine, j'irai reprospecter, refaire un petit saut au même endroit où j'étais, hein, pour l'histoire des 10 km. Donc à mon avis, je devrais trouver quelque chose. Voilà, donc également dans cette vidéo, donc j'ai fait une nouvelle introduction pour ma chaîne, pour mes vidéos. Donc vous me direz en com ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, donc pareil, vous laissez un petit pouce bleu si ça vous plaît, si la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, vous vous abonnez. Voilà les amis, allez, bonne vidéo à tous. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir des champis, vous suivez Tony. Une petite surprise aussi à la fin, hein. Notre copain Jojo, il est toujours là. Allez, à bientôt. C'est un super, super cadre. C'est des super bois, il y a les ronces. Alors, on a le frêne. On a des frênes. Hein. Voilà. Vous voyez, les frênes. Les petites violettes. Voilà. On a l'arôme. Voilà. Donc encore des frênes, hein. Vous voyez. C'est qu'il est le bourgeon, voilà. Et un beau beau biotope, mais pas une morille. Par contre, du monde, beaucoup de monde. Voilà les amis pour le biotope. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais les amis, au défaut de morille, hein, j'ai trouvé une verpe. Verpe de bohème. Mais alors, ça fait 2 heures qu'on est là, quoi. Voilà. Allez, on va chercher. Une petite verpe, je vais la laisser, je pense, elle est trop petite. Elle n'est qu'une seule, j'en ferai pas grand chose. Voilà les amis, première verpe, une verpe, pas une morille. Elle n'est pas vilaine celle-là. Hop. Une petite verpe. Ah ouais, c'est bien une verpe. Pas de soucis, voilà, dans ce petit biotope là, sympa. Mais bon, on est sous la flotte, hein. Vous entendez la pluie. On est sous la pluie. Voilà, petite verpe de bohème. Donc c'est la deuxième. C'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Allez, à tout de suite. Bon, ben, à défaut de morille, hein. Toujours pas de morille chez moi. Aucune. Encore une belle verpe, là. Une belle, une petite. Elles sont pas bien grosses. Voilà, petite verpe de bohème. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Ah ouais, oui, le chapeau. Il n'est pas tenu avec le pied, c'est bien que des verpes. Voilà les amis. Bah moi, hein, voilà, dans les 10 km à la ronde de chez moi, j'ai réussi à trouver ce petit bois. Bah, ce petit bois, il est pas mal. Beau biotope, mais... que des verpes et beaucoup beaucoup de monde, surtout vu que c'est à proximité de Clermont-Ferrand. Voilà, allez, à bientôt, je refais voir. Petite verpe de bohème, c'est la troisième que je trouve, et celle-ci aussi. Voilà les amis, un défaut de morille. Oui.
regardez tout ça là, tous les petits là, c'est tous des petits frênes. Donc superbe, superbe le biotope. Et donc là encore une verpe. Pas de morilles, pas de morilles, elles veulent pas chez moi. Petite verpe encore, Verpa boenica. Oui, tellement fragile que le chapeau, ce qu'on disait dans les vidéos. Et le chapeau se défait instantanément. Voilà, encore les petites verpes. Bon, allez. 4-5 déjà, c'est pas mal. Faut voir que je suis pas à 10 km de chez moi et puis que c'est un bois qui est couru. Ben c'est pas mal parce qu'il y a du monde. Allez, à plus tard. Allez, encore une verte. Là, les amis, encore une. On va chercher, on est sous la pluie. Il est où? Il est monté dans l'arbre, je sais pas. Je le vois pas. Il est tout en haut. Moi, je le vois pas. On voit plus là, il est en haut de l'arbre. Le prince arrive, il va pas revenir. En tout cas, s'il vient pas pour les obsèques de son grand-père, là. Là, le Jojo, il se régale. Et là, on l'appelle comment alors? C'est Jojo, Joséphine et Popo. Non. Là, il est où? Il est pas parti? Je le vois pas. Allez les amis, Jojo il fait son 4 heures, il a pris sa tartine. On lui donner un peu de confiture. Et une tranche de pain de mie. J'arrive pas à grandir plus, c'est dommage. Mais il a du pain de mie dans les pattes. Voilà, il fait son petit 4 heures. Il est en train de bouffer des boules là-haut, puis il est descendu chercher une tranche de pain. Tac.